Yes, Yes, Jewel, Jewel, s'il te plaît. Avec grand grand plaisir. plaisir. Et salut à tous, c'est encore Aspirine, donc pour la suite de notre premier stream qui se déroulera cette fois vraiment en mode PVP coop. Donc comme je l'ai dit juste avant, on va vous montrer ce que c'est qu'une vraie arène PVP. Donc un coup ça sera Hydro, un coup ça sera moi, hein, pour qu'on puisse se battre un peu chacun notre tour. Donc on fera ça par tranche de 5 combats. Je pense que ça sera équitable, je sais pas ce que t'en penses. Il rigole mais il répond pas, Hydro, il est à fond. Ça aussi, qui tu vas te jouer planter? J'ai le docteur là, je sais pas ce que ça veut dire, il a une grosse plotte. Ça veut dire quoi que j'ai une grosse botte? Ce que fait un vagin. Donc, Merci Doc. à ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, les viewers ou sur le stream ou sur la vidéo, je vous annonce qu'en fait on a deux Québécois, donc Skaos qui fait partie de la team et Doc qui vient de nous rejoindre dans la famille. Donc on est en train de tester les expressions québécoises pour notre et votre plus grand plaisir. C'est assez comique. Une plotte, c'est un chapeau, ouais, c'est ça, ouais. Il y a du troll dans l'air là quand même. Donc, je vais partir en attendant notre ami Hydro Iron Keep pour préparer le terrain. Yeah, je devrais être prêt dans 5 minutes maximum. Pas de soucis, oublie pas d'acheter des prismes yeah. Pour faire ton arène. Donc c'est parti pour la création d'arène. Toi, tu l'as refait, ta belle arène? Ouais, c'est ce que je suis en train de faire là de suite. Va faire une petite arène sympa. Ah, dans un, tu fais juste le jeter, puis là, il dépose. Donc on va déjà tracer les contours. Les contours. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Si les gens comprennent correctement comment ça se passe, ça devrait être plutôt cool. What? Le feu, ça brûle. Ah, d'accord. Bah, je pense que je vais être obligé de recommencer mon arène, hein, parce que je viens de me faire envahir. J'espère que le monsieur va comprendre que je fais une arène. Yeah. Apparemment, soit il a compris, soit il m'attend. Je vais lui montrer que je suis non combattant en rangeant mes armes, en espérant que... Donc je vais faire pop à un autre. Apparemment il a compris vu qu'il me saute pas dessus. Bon, il m'en manque plus que une. Ah, pousse-toi, je peux plus poser mes... Ah, mais pousse-toi mon gars, je veux pas me battre. Cherche pas à me backstab. Et c'est bon, t'as compris. Cool. Donc moi je vais continuer mon arène pendant qu'il requéco.
je vais poser. Je vais continuer à poser mon arène hein, pendant qu'ils font joujou tous les deux. Parce que vous allez voir, moi je fais des arènes plutôt de gros bourrins. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ok, tu peux. Ok. Donc le but c'est de invoquer du monde hein, parce que sinon si les mecs se battent pas ils vont se retourner contre moi. Et là tout de suite voilà, le mec en a marre, il est en train de me montrer du doigt. Donc en gros ça veut dire que s'il y a personne qui pop, il va s'en prendre à moi. Et c'est pas le but. Ok, il n'en manque plus qu'une et je sais où la trouver. Allez les gars, battez-vous. Moi je suis en zone safe. On dirait un sapin de Noël. Attention, toi, avec tes lances, toi. Donc, je suis un gros bourrin. Hein. Moi, je reste au milieu, en zone safe. Hein. Vous allez voir que c'est assez comique. Ah, j'ai oublié mes sauts. Bah, non, mais t'es un boulet, toi. Oh, le mec il fait pop une flame en plein milieu du terrain quoi. Le mec a tout compris, c'est là que ça se fait pop les flames. Ouais ça c'est nul, c'est fou la merde ça. Là, c'est ici qu'on est. Et salut. Toi. Tu vas là-bas. Et toi, tu vas là-bas aussi. Ah, tu vas de l'autre côté. Mon signe. D'accord, l'autre il est en train de se buff avec le trident. Pose ta marque si tu veux, Doc. Et je t'invoque. Oui. Voilà, il y a toujours un blaireau pour foutre la merde. Voilà, maintenant c'est parti. Hein. Eh ouais, mon gars. On est dans une arène ici. Hein. Et pas là pour. D'accord, donc l'autre s'est suicidé. À mon avis, il avait pas envie de participer. Il a compris. Là-bas. Ah, tout à l'heure, c'était génial. Les mecs, ils comprenaient tout de suite.
pas grave, de toute façon ils sont que deux, on va les laisser se friter. Ah voilà, c'est bon, là ils ont compris. Bon, ça y est, je suis prêt, je te rejoins. Ok, alors Doc et Doc et Hydro. Donne-moi juste une minute. Je vais choper à boire et j'arrive. Vas-y, moi je mets ma bague. Ok. Je permets d'invoquer. Donc ça sera déesse de la fortune, Doc. T'inquiète pas. On est là pour se faire plaisir. Si tu fais des pop, je te rassure, moi aussi, de toute façon, je vais me faire des pop. Donc là, on attend que, on attend qu'il y ait des marques qui pop. C'est pas le cas. C'est Noël. L'écho, je sais pas s'il vient de chez moi. Je regarde. Allô, allô. Vous venez de moi, j'ai mis sur mute le stream. Bah écoute, le retour, si si, il vient de chez toi, Skaos. Ouais, c'est ça que je vois, je sais pas pourquoi. Justin. Donc, salut aux viewers qui viennent de nous rejoindre, hein. On est en mode PVP. Ok, je sais pas pourquoi. Donc là, on fait une arène avec mon pote Hydro. Donc, on attend, on fait pop des gens et on organise des duels. La marque rouge, t'as juste à aller l'acheter à 5000 âmes après le chariot du bourreau. Ça y est, on est chopé. Hein. Non, tu avec la marque rouge, si je t'invoque avec la marque allié, tu pourras te battre aussi hein, si tu veux, hein, mais donc le plus dur ça va être de trouver des marques actives. Salut. Et allez-y, battez-vous. Je me mets en zone safe. Hein. Donc Keiko, pour répondre à ta question, non, c'est pas Noël. J'ai organisé une arène de PVP. Donc là, j'attends Hydro. Hein. Quand Hydro aura fait 5 combats, on fera l'inverse. Je partirai chez lui et je ferai 5 combats. Et ainsi de suite. Donc par contre les effigies, je commence à en avoir un paquet. Yeah. Ok, j'arrive. Et tu... on met la bague? Oui. Ok. Je la mets de suite, j'attends juste que... Alors hop, on va mettre un petit soin par là. Voilà. Ça, ça va me permettre de mettre la bague pour invoquer Hydro. Il est même encore mieux réussi que tout à l'heure, mon arène, tu vois. C'est bon, j'ai posé mon signe. Ok, hop, c'est bon, je t'ai vu. Hop, 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 c'est parti. Nickel. Donc, hop, je dégage et je réinvoque. Donc, on va essayer d'invoquer pas mal de mecs, hein. Parce que le but d'avoir cette arène de cette taille là, c'est pour faire du dual. Donc, avec un peu de chance, s'ils ont compris, ça devrait bien se passer.
apparemment ils ont compris que. Yeah! Salut! Et voilà. Ça, c'est il est pour moi celui-là? Ouais, vas-y. Vas-y. Tu me dis, yeah? Vas-y, okay. Allez, go. Donc, Hydro 7, c'est parti. Premier fight. Pendant ce temps-là, moi j'invoque du monde, du moins j'essaye. C'est facile de faire des camps, des backstabs. Oh bah là, il l'a pas contré, il l'a tellement épuisé en stamina qu'il lui a placé un contre. Exactement. J'en ai profité parce que il y avait une bonne opportunité, quoi. Oh, l'erreur. GG. Ah, je me sens mieux avec mon arme. Faut que je m'échauffe un peu, mais je me sens mieux. Salut John. Les gants ornés, je les ai trouvés à Tseldora. Une fois que tu as tué Pat ou Creighton, tu gagnes la clé qui te permet d'ouvrir la porte qui est fermée. Et du coup, de pouvoir récupérer les gants ornés. Bon alors, toutes les marques, elles sont prises là? C'est quoi ce délire? C'est bon, je prends lui là. Ouais. Ok. Ah, ça va faire mal son arme là, faut que je fasse gaffe. Non, 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 c'est là-bas. Voilà. Respectez, s'il vous plaît. J'espère que j'ai répondu à ta question, John, au fait. Mon son du micro est pas assez fort. Je parle doucement aussi. Hein. Donc je disais quand tu es à Tseldora. Ouh, t'as pris cher là. Ouais, j'ai pris cher là. Donc quand tu es à Tseldora, en fait, tu as Pat et Creighton qui se battent en duel. GG. Et oh, c'était chaud. Que tu tues l'un ou que tu tues l'autre, tu vas récupérer la clé de Tseldora. Ce qui va permettre d'ouvrir la porte fermée. Qui est pas très loin d'ailleurs. Et en fait, à l'intérieur, tu as deux coffres. Un coffre piégé et un coffre où tu récupères les gants ornés. Doc, c'est la déesse de la fortune. Je vais invoquer des gens. Donc là, Hydro est à deux combats. Salut les gars. Bon, il en manque un. De rien, John. Si cette fois t'as entendu et que j'ai répondu à ta question, bah écoute, c'est nickel. On peut répondre aux questions, hein, n'hésitez pas. Le choix du dieu, quand tu invoques quelqu'un, oui, ça te permet de pouvoir trouver la personne que tu veux invoquer facilement. Oh, ils veulent prendre toute la place encore là. Non. Vas-y. Il a pas compris que. Montre-lui, vas-y. Ok. Voilà. Attends, let's play. Le choix du dieu pour la bague, John, sert plus facilement à invoquer les gens. En coop ou en mode PVP. Allô? Oui. Oui, là c'est la zone de heal. Hein. Voilà.
c'est et ici c'est la zone safe. GG. Il a pas fait long feu celui-là. Bon, je me prends l'autre. Il est tout seul ou il est qu'est-ce qu'il fait? Ouais, apparemment il est tout seul. Ok, bah je me prends celui-là aussi. Je vais juste aller voir, il y a des marques. Ok. Il a pas l'air de vouloir se mettre sur le côté du pont, mais je vais le forcer. Ok, let's do this. Donc voilà, au fait, pour tous les viewers qui ne savent plus comment faire pour avoir des effigies, voilà, vous faites une arène et à chaque fois qu'un spectre rouge ou un spectre quelconque va mourir, vous gagnez une effigie quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je dois en avoir à peu près 200. Attends. Voilà. Non. Donc on il a attaqué l'autre. Il était en train de perdre, donc il a essayé d'arrêter le combat, quoi. Ok. Il vient vers moi, lui, ou je vais vers lui? Je ne sais pas, t'en bouge pas, je vais voir s'il comprend, je vais l'envoyer vers toi. Toi. Tu vas là-bas. Mais forcément, s'il regarde pas... Non mais c'est bon, le rouge il veut y aller là. Allez hop, je me prends le rouge. Fais lui signe, ouais, voilà, pars dans sa zone. Alors du coup, le mec il me demande ce qui se passe. Portal, je ne sais pas si c'est... D'accord, repose ta marque, c'est parce que j'avais pas l'anneau, Doc. Oh, qu'est-ce que ça va mieux avec mon arme là? Je me sens mieux. Elle a une allonge pas mal hein, quand même. Ah, elle est super, elle est sûre. Ah. Ouf. Échec de l'invocation. Yeah. Bye bye. GG.